Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Psytrag et aujourd'hui les amis on se retrouve dans une nouvelle vidéo Will Byant. C'est la première vidéo sur ce jeu, sur cette chaîne. Et oui, je sais pas ce qui m'arrive, mais en ce moment je sors les vidéos, en veux-tu, en voilà. Et c'est pas prêt de s'arrêter, c'est moi qui te le dis, je vais essayer de tout donner mon pote. Donc j'espère que cette fois-ci les réglages sont encore mieux. Mais bon, on va arrêter de parler. Donc là les amis, on se retrouve directement dans l'interface du jeu. Donc, il y a le mode multijoueur, le mode campagne, le mode événement, le mode saison, le mode game. J'ai que le mode multijoueur pour l'instant. C'est un jeu qui se compose de decks et sur des cartes comme Clash Royale. Mais vous allez voir, moi je suis pas trop du style à te présenter un jeu, à te parler, etc. Ici, il n'y a que 6 héros différents. Donc ça en fait pas beaucoup. Mais le graphisme, franchement, il reste franchement pas mal du tout le graphisme. Hein. Franchement, je suis sympatoche, sympatoche. Donc moi depuis le début je suis avec celui-ci, donc je vais rester avec celui-ci, je vais vous montrer mon deck. Donc le deck ça se compose de cartes et de personnages que tu mets sur une map qui vont aller attaquer l'adversaire. Donc voilà, il y a des tourelles ici, il y a des sortes de tanks ici, là-haut j'ai des archers ici, des archers. Eux c'est des corps à corps, ça c'est pareil, c'est un tank. Et ça c'est un magicien, donc un alchimiste. C'est plus un lanceur également. Voilà quoi, hein, je connais pas encore trop le jeu. Donc je fais une vidéo comme vous, je découvre. J'ai joué un peu là pendant une petite heure. Je connais pas le jeu par cœur mon pote, hein. Donc pour l'instant j'ai que le mode multijoueur qui est débloqué. J'ai pas le mode campagne, j'ai rien du tout. Du coup on est restreint dès le début. On est restreint. Là on peut améliorer ses cartes. Donc vous pouvez le voir, l'alchimiste je peux l'améliorer. Je vais faire obtenir. Voilà, amélioration terminée. Et passe niveau 2, plus 20 XP, parfait. En santé, il passe à 884 et en dégâts à 277. Parfait, good. Donc là, je peux modifier toutes les cartes que j'ai dès que j'ai assez d'énergie. On va appeler ça comme ça, des énergies. Je vais pas le faire pour le moment, je vais attendre de voir comment ça se passe. Et après, voilà. Ah bah, voilà, il fallait juste le dire. Je débloque le mode quête. Parfait. Mais bon, je vais tout de suite aller dans le mode multijoueur et je vais vous montrer comment ça se passe in-game. Ah, obtenir la récompense. Je l'ai récupéré. Qu'est-ce que j'ai dans le coffre? Ok. J'ai une nouvelle carte, si je me trompe pas. Normalement, j'ai une nouvelle carte. Non, j'ai pas de nouvelle carte. C'est dans deck. Modifier deck. Non, j'ai pas de nouvelle carte. Ah, peut-être qu'il faudrait que je prenne lui, ça veut dire. Ah, c'est ça. C'est ça, ok. Mais j'ai pas encore joué avec ce deck à lui, donc pour l'instant, je vais pas trop. Bon. Je vais les placer, ok. Là vous placez juste les unités de jeu, hein. C'est juste que il y a l'ordre pour moi, il a rien à voir avec le sens du développement. Pas sûr, hein. Mais reste à confirmer. Je vais vous expliquer après en game. Moi je vais reprendre ce deck là, ok. Hop, on va partir en multiplayer online. Je vais améliorer des cartes. Ouais, mais non, je vais pas les améliorer. Je les améliorerai après connexion. Adversaire trouvé. Bah, connecte-moi très vite alors. Si je suis trouvé. Ok. Donc, voici la map sur laquelle se déroule. Donc, je sais pas si je peux cliquer dessus. Non. En bas à gauche, là où il y a des. Oula, ça y m'attaque lui. Bon, je vais vous montrer. Donc là, il y a l'énergie en bas qui surcharge. Et à gauche, il y a la vitesse du rechargement. Et ça, je peux l'améliorer en posant ici des sortes de centrales, comme des centrales électriques. Ça recharge plus rapidement l'énergie. Donc lui, il a posé des unités. Je vais poser celle-ci ici, moi. Hop. Et je vais en poser une deuxième. Comme ça, l'énergie va aller encore plus vite. Donc là, je suis à 75% de rapidité sur l'énergie. Ok, hop. Tac. Aïe. Il vient de casser un de mes portails. Donc, faut casser un portail pour ensuite accéder au boss, ok. Donc, on peut zoomer maximum comme ça et on peut se déplacer. Oh mince, je veux maximum de mon énergie. Tac. Et je vais envoyer. Hop. Et je vais mettre ma troisième d'énergie. Let's go. Donc là je suis au maximum. La rapidité est très 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 forte. Moi qui vous le dis. Là je débloque bim des nouvelles cartes. Mais je crois que c'est un rapport avec ce que je disais il y a 30 secondes. Je crois que c'est un rapport, hein, les différents étages.
archers là. Là, je vais lui envoyer un tank pour aller en maintien avec lui. Là, je vois le nombre de cartes qui lui reste. Et là, j'ai mon nombre de cartes à moi disponible en haut à gauche et en haut à droite. Donc, je l'ai même pas remarqué. Normalement, ici, j'ai des emotes. Elles sont pas ouf, hein. Mais bon, c'est pas grave. La petite tourelle qui fait zizir. Je vais attendre. Allez, hop, je recharge. Je débloque des nouvelles cartes. Ok, c'est parti. Bim. Et là, je vais invoquer du coup mon personnage plus fort de mon deck, c'est-à-dire le personnage principal. Je vais le mettre comme ça, vous allez voir l'animation. Kuro. Allez, c'est parti. Hop. On va en placer un là-haut. Tac. On va placer un archer ici. Encore un là. Un ici. Normalement, ça devrait être parfait. Hein. Ah, lui aussi, il a invoqué son Kuro, je l'avais pas remarqué. Je l'avais pas remarqué, je vais poser une tourelle là au cas où. Allez, hop, c'est qui finit. Hop là, à faire où ? Classe et à où ? Donc, voilà comment se déroule une game. Donc, on dirait un peu un Clash Royale. Mais voilà, dans un autre univers quoi. Et totalement rien à voir avec la map et tout. Les animations restent correctes. C'est clairement. Ah, un coffre débloqué, on va l'ouvrir. Qu'est-ce que j'ai dedans? Attention, roulement de tambour. Je trouve que j'ai rien de ouf, hein. Mais... Ok, ou. Un d'énergie pour plusieurs trucs, 4 diamants, 162 pièces, et du coup je peux améliorer ma tourelle parce qu'elle est 2 sur 2, mais je vais pas l'améliorer maintenant. Donc, bah du coup avec vous je vais découvrir le mode quête, voilà, donc on découvre de nouveaux jeux ensemble. Coffre gratuit, ok, Ah, stylé l'animation. Franchement les animations sont sympas. Bon j'ai accéléré, j'ai cliqué dessus. Campagne, comment se présente la campagne? Ah non, ok. Kuro. Le chemin le plus direct n'est pas toujours le meilleur. Ok, ou. Oh bah, c'est parti pour un combat. Donc, c'est pas en ligne là, normalement. Ça va être contre des robots. Ah oui, ça a ah oui, d'accord, ça a totalement rien à voir. Pas d'officier ici? Non. Bon, je vais prendre les commandes, il est temps de leur montrer de quel point je me chauffe. Wouhou, attention, Maurice, il est chaud. Compétence. Ok. Donc, du coup, ça se présente comme en match normal. Sauf que je suis contre un robot et j'ai qu'un seul portail. Donc, on va faire ça. Hop, hop. Voilà. Je vais me poser encore un 2 d'énergie pour recharger un peu plus vite. Ok, parfait. Donc là, comme vous pouvez le voir, vu que j'ai dépassé le milieu, je peux poser un peu plus loin. Sauf si du coup, bah, son perso vient se rapproche plus. Hein. C'était chaud. Putain, les animations sont vraiment sympas. Hein. Très clairement, je suis pas du tout triste, ni déçu de ces animations. On va y aller. Hop. Ça, c'est fait où? Compétences détectées, oulala. Attendez, je vais déposer mon super pow ici. Paf, ça dégage. Ah, j'ai fait reculer ces unités. Ça, je ne savais pas, ok. Je vais poser ici. Du même côté. Ah là, c'est la guerre, mon pote. Hein. Ah là, très mal, c'est la guerre. On voit rien de ce qui se passe tellement que c'est loin. J'aimerais bien pouvoir reposer une tourelle. Allez, avancez. Ok, c'est bon, good. Je vais poser ma tourelle ici. Hop, on maintient. Attention, on attaque là. Hop, je pose tout, allez hop, j'y vais. T'en fous. Let's go. Victory. Ah là là, passé. Moi, je l'ai jamais, les trucs comme ça, c'est pas mon délire. Take life. Yes. Récompense 45 de pièces, ok.
Ok, donc en gros, il y a différentes histoires, tu remontes toute une map, si je comprends bien, et tu dois pouvoir débloquer certaines choses. Ok, mon pote. Dans les cartes améliorées, est-ce qu'il y en aurait bien une au moins que je pourrais améliorer? Parce qu'en soi, la tourelle niveau 4, elle est bien. Lui aussi, il est bien. Le cyclope. Cyclope, il est bien. Non, vous savez quoi? Je vais attendre avant d'améliorer. Je vais vraiment attendre parce que ça se trouve dans d'autres decks. Bah, je vais kiffer. Donc, par exemple, lui, elle. Donc, bon, je vais voir comment ça se passe. Dernier truc que je pourrais vous montrer, ce serait l'XP. Donc là, c'est pas des TR, c'est pas des points, c'est des XP. Moi, je suis actuellement bientôt au 800. Donc, j'ai fait tout ça en une petite heure. Là, c'est le personnage de base. J'ai débloqué du coup le mec ici à 320. Je vais débloquer la rebelle à 1200 et ainsi de suite, ainsi de suite. Je vais essayer de monter au 1200 XP très rapidement, comme ça, prochaine vidéo, je vais essayer de vous faire une vidéo découverte encore plus prolongée. On va essayer d'aller au plus loin, au plus haut, au plus fort, mon pote. Et puis du coup, voilà quoi. Enfin voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre plus beau pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir et ça me motiverait à faire d'autres vidéos sur d'autres jeux ou sur ce jeu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Écoutez, sur ce, on se donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos. C'était Psytrag, je te souhaite une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée. Je sais toujours pas pourquoi je dis ça, allez,